Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic, et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la flèche numéro 3. Alors le premier défi est d'obtenir des informations sur Raz auprès de Tarana, Lara Croft, Rebirth Raven, Pew Pew ou Epi. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller en foire d'empoigne, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Et pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages. Cependant, moi je vous conseille d'aller voir Pew Pew, puis ensuite Tarana et puis ensuite Epi. Comme ça, ben, vous parlez aux trois personnages les plus proches les uns des autres. Donc là, il faut vraiment parler, quand vous êtes près du personnage, par exemple je suis près de Pew Pew, il faut vraiment parler sur la quête, la flèche, enfin parler de la flèche pour avoir des informations. Donc là, vous cliquez sur continuer, continuer. Voilà, là j'ai parlé à un premier personnage. Ensuite, ben, je crée une rampe et je vais aller parler à Tarana et puis après j'irai parler à Epi. Donc voilà, là j'arrive près de Tarana. Donc hop. Alors je vais vous montrer l'emplacement de Pew Pew hein, parce que je voulais pas montrer. Alors l'emplacement de Pew Pew, toudoudoum, carte, il était ici. Ok. Ça c'est Pew Pew. Maintenant je vais parler à Tarana qui est juste ici. Voilà. Alors bien entendu je parle de la flèche. Je continue le dialogue. Ok, donc ça fait deux personnes sur quatre, sur trois, excusez-moi. Donc là maintenant je vais aller parler à Epi. Donc je me crée une petite rampe et je vais m'y rendre en planeur. Donc voilà, Pew Pew se trouve juste ici. Hop, je vous montre sur la map. Voilà, juste ici. Voilà. Donc quand vous êtes près d'Epi, ben vous parlez du dialogue de la flèche. Vous continuez. Et voilà, donc là vous aurez terminé le défi. Alors le deuxième défi est d'accomplir des quêtes rares ou supérieures. Vous allez devoir en accomplir 5 pour débloquer le troisième et dernier défi, qui est de battre Raz, le maître des glyphes, et obtenir la relique de la flèche. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre en plein milieu de la map, donc à la flèche, juste ici. Et normalement, il y aura Raz qui s'y trouve. Donc là, je vais le chercher pour voir. Normalement, il devrait se trouver dans les alentours. Donc déjà, on va s'équiper d'armes. Donc je pense... Ah bah il est là, il est justement là, juste en dessous de moi. Donc ça, c'est lui, c'est Raz. Donc bien évidemment, bah, équipez-vous d'armes, hein, parce que sinon, il va vous défoncer. Stuffez-vous bien avant de l'attaquer. Ok, donc je vais essayer d'y aller avec ça, avec ce que j'ai. On verra bien si ça fait l'affaire. Ok, donc c'est parti. Ok, donc il peut se téléporter, faut faire gaffe. Oula. Ouh là 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 là. Ouh. Il m'envoie du sale, hein. Il m'envoie du très très sale. Vaudrait peut-être mieux de l'attaquer à distance. Ah, comme ceci, c'est très bien, il est bloqué dans un coin. Là, je peux en profiter un max. Donc il bouge pas, c'est parfait. J'ai vraiment de la chance qu'il soit bugué comme ça. Parce qu'il avait l'air de faire très très mal. Hein. Donc là, il a presque plus de vie. Ouais, il a quand même pas mal de vie. Hein. Hop. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça, mais bon. On va voir. Ok, il m'envoie des fléchettes explosives. Un petit peu de fight. Allez, il est bientôt mort, je crois. Ouh là 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 là. Il fait très très mal, hein. Il est où, il est où, il est où? C'est TP ou quoi? Ah non, il est en haut. J'ai presque plus de munitions en plus, c'est quoi ce délire? Vas-y, il va reprendre sa vie. Je crois que si vous l'attaquez pas assez vite, il reprend sa vie. Ça va. Allez, encore une fois. Oula, il m'en... Oula. Mais ça, c'est abusé, ça. Ça, c'est trop cheaté, ça. Comment il peut faire un truc pareil, wesh? J'ai plus de vie, moi. Où est-ce qu'il est? Ouais, je crois qu'il me faut encore une attaque comme ça chez moi. Franchement, il est quand même balèze, hein. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ouh là là, je l'ai eu juste avant qu'il me défonce, hein, parce que franchement, c'était compliqué. Alors, bien entendu, si vous galérez à le tuer, je vous conseille de faire une partie contre des bots, parce que là je suis en partie contre les bots hein, parce que sinon il y aurait eu trop de monde qui essaye de le faire. Donc si vous savez pas comment faire des parties contre des bots,
ben, je vous mettrai en lien, en description et en commentaire épinglé, un lien qui vous emmènera vers une vidéo tuto qui vous explique comment créer des parties uniquement contre des bots. C'est 100% légit, vous ne risquez pas de vous faire ban, et au moins vous serez tranquille pour réaliser ce défi. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il nous a donné une arme, un arc explosif de rase. Voilà, une arme mythique. Hein. Une arme mythique, explosif de rase, voilà. Et il nous donne la relique que vous devez récupérer. Voilà, pour valider le défi, il faut absolument récupérer cette relique. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la flèche numéro 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. I'm me.